Les experts africains d'une trentaine de pays et leurs homologues francophones sont à Abidjan dans le cadre du premier congrès de la Société africaine des laboratoires biomédicaux. Cette rencontre est également un cadre d'échange entre les professionnels de la santé et du matériel médical et les technologies connexes. Il ne faut jamais oublier que l'objectif de notre travail, c'est le patient anonyme qui doit bénéficier d'analyses de laboratoire dans des temps raisonnables et surtout de la qualité. Nos malades ne sont pas moins précieux que ceux des autres. Ils ont droit à la même qualité d'analyse que dans les pays développés. Cette plateforme privilégiée d'échange et d'exposition est un maillon essentiel dans la prévention et le traitement du VIH. En plus de la baisse de la prévalence du VIH dans la population générale, que nous espérons très rapidement ramener à des valeurs en dessous du 3,7 que nous avons actuellement, il nous faut impérativement atteindre l'objectif de zéro décès dû au VIH-Sida. En marge de ce congrès, se tient le premier salon médical Expo Côte d'Ivoire, au cours duquel des matériels médicaux de pointe sont exposés.